la communauté urbaine, c'est un service public. Il faut donc assurer la continuité du service public. Et cette continuité sera assurée. Premièrement, tout le personnel victime de cet incendie, du fait que leurs bureaux ont été touchés, seront redéployés dans les divers sites de la communauté urbaine de Douala. D'abord, le bâtiment principal, quand toutes les analyses seront finies, les parties non sinistrées seront donc réutilisées. Nous avons l'hôtel Pochard en face, nous avons le cercle municipal, nous avons Aqua, nous avons la base Youpoint. Donc la centaine de personnels concernés doit être donc redéployée dans les services. Je voudrais rassurer tous les usagers, que ce soit les usagers ordinaires, ceux qui viennent acheter leur timbre et consorts, que ce soit les prestataires qui effectuent les travaux en ville, qu'un accent particulier sera mis pour que, en fait, le service soit continu et que s'il y a un petit hiatus, que la reconstitution des dossiers se fasse le plus rapidement possible.